La figue, fruit du figuier plus particulièrement cultivé dans le bassin méditerranéen, regorge de nombreux bienfaits pour la santé de par sa valeur énergétique. Riche en nutriments, la figue est reconnue pour ses vertus antidiabétiques, anti-cholestérol et anti-cancer et peut être utilisée en tant que traitement contre différents troubles grâce à la présence de minéraux, de vitamines et des fibres qu'elle contient, sans oublier ses feuilles utilisées en phytothérapie ou homéopathie comme cataplasme, décoction ou huile. Ce fruit est également une excellente source d'antioxydants. Les bienfaits de la figue et de ses feuilles sur la santé sont extrêmement variés grâce à la présence de vitamines, minéraux et fibres. Ce fruit dispose dans son intégralité d'une richesse en substances nutritives bénéfiques, y compris en vitamines A, B1, B2, B9, C, E, en fer, phosphore, sodium et potassium. Ses vertus sont reconnues en prévention et traitement du diabète, des maladies cardiovasculaires et de la constipation entre autres. Bienfaits de la figue sur le diabète. Une étude publiée en 1998 dans Diabetes Research and Clinical Practice a mis en évidence que les feuilles de figuier aident à contrôler le taux de glycémie des diabétiques insulino-dépendants. D'ailleurs, l'Association américaine contre le diabète recommande les feuilles de figue afin de réduire la quantité d'insuline des sujets diabétiques. C'est sa richesse en potassium qui favorise le contrôle de la quantité de sucre absorbé dans le corps après les repas en diminuant la fréquence des chutes et des pics de glycémie. L'infusion de feuilles de figuier est très souvent utilisée pour prévenir et traiter le diabète. Infusion aux feuilles de figuier. Trois feuilles de figuier. Un litre d'eau. (1/4 à 1/2 cuillères à café de vanille, facultatif. Bien rincer les feuilles de figuier et les placer dans un récipient en verre. Faites bouillir 1 litre d'eau que vous versez dans la bouteille puis laissez au frais toute une nuit. Bienfaits de la figue sur le mauvais cholestérol et les triglycérides. La figue contient de la pectine qui est une fibre soluble. Lorsque celle-ci se déplace à travers le système digestif, elle nettoie essentiellement l'excès de cholestérol et l'élimine de l'organisme. Le risque de contracter des maladies d'usure est plus élevé si le taux des triglycérides est important. Même s'ils représentent une réserve importante en énergie, ils peuvent s'avérer néfastes pour la santé lorsqu'ils se retrouvent en quantité trop importante dans le sang. Au même titre que pour le cholestérol, la figue possède également un avantage non négligeable sur le contrôle des triglycérides sur lesquels elle a un réel effet significatif. Vertu de la figue sur les ulcères. La figue est aussi tout indiquée pour débarrasser l'organisme et en particulier l'estomac, des bactéries nocives et autres affections telles que les ulcères déjà compliquées à traiter. En plus de contenir des enzymes protectrices qui protègent les parois de l'estomac et qui permettent d'éviter les déséquilibres gastriques. Sa forte teneur en vitamines, antioxydants et en minéraux, permet de combattre efficacement les attaques et la propagation des bactéries nocives. Les fibres également présentes dans la figue,
facilite le passage des aliments dans le tube digestif en éliminant les ballonnements ou la constipation ou les problèmes gastro-intestinaux tels que les ulcères. Remède médicinal à la figue. Quarante figues séchées. Huile d'olive. Laissez macérer les figues dans l'huile d'olive pendant 40 à 45 jours et consommez-en une ou deux tous les matins à jeun durant 7 à 10 jours consécutifs. Vous pouvez tout aussi bien mâcher 2 à 3 feuilles de figues tous les jours si vous voulez vous débarrasser d'un ulcère. Les feuilles de figuier peuvent présenter une certaine toxicité chez les sujets allergiques. Le latex contenu dans ces feuilles peut être source de symptômes divers, de démangeaisons et d'éruptions cutanées. Comportant également un effet laxatif, il est conseillé de consommer la figue d'une manière relativement modérée. Privilégiez les conseils de votre médecin traitant avant consommation.